Vite, je vais être en retard. Mais qu'est-ce qui se passe? Peppa Pig, ça va? Ça va? Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Lily Rose, viens m'aider, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive plus à bouger la jambe. Celle-là? Non, celle-là, Lily. J'étais pressé, je suis descendu vite fait dans l'escalier. Je suis tombé, j'ai glissé. Bah, puis... c'est pas grave, tu peux y aller, ça va aller. Ouh. Ah oui, c'est vrai, j'étais pressé. Ouais, mais je sais plus bouger là. Attends, je vais essayer. Bah, c'est pas grave. Marche avec une canne. Oh non, Lily Rose, c'est pas possible. Appelle Esteban, il va m'aider parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Et puis, j'ai vraiment mal là. Ouais, c'est vraiment un gros coup là. Je vais avoir un gros bleu. Esteban! Urgence, urgence, viens vite! Et respirer. Punaise, Esteban, vite, viens, c'est urgent! Ça marche pas ces trucs de méditation là. Dis-lui de se dépêcher! Dépêche-toi! Oh, je leur avais demandé de pas me déranger pendant 2 heures! Il faut toujours qu'il se passe quelque chose! Esteban, dépêche-toi! Faut emmener Peppa Pig à l'hôpital! J'arrive! Allez, allez, on a pas de temps là! Allez, vite! Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, te voilà enfin! Ah bah oui, enfin, vous m'avez dérangé en pleine séance de méditation! T'as pas entendu? Je suis tombé dans les escaliers. Ah bah oui, je vois ça. J'avais un rendez-vous. Assieds-toi, de toute façon, là, si t'arrives plus à bouger, allez. C'est un coup, hein. On va appeler, je pense qu'on va appeler les pompiers. Oh non, appelle pas les pompiers! Mais t'as quoi? T'as un rendez-vous ou quoi? Oui, j'ai un rendez-vous. Mais bon. Mais tu vas pas y aller comme ça? Là, quand j'appuie là, ça va. Là. On n'a pas le temps d'appeler les pompiers si c'est une fracture. On va prendre le fauteuil roulant qui est... Stop. On va prendre le fauteuil roulant qui est à la cave. Ouais. Et on va t'emmener à l'hôpital, qui est pas loin. Allez. Attends, je vais dire à Lily Rose qu'on la laisse toute seule. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ouais. Je m'occupe de tout. On n'appellerait pas la sorcière là? Non. Pour une potion là? Non. Ou un sort? Bon, Lily Rose. Ah non, pas toute seule. Allez, si. Allez, on n'a pas le temps. Écoute, Lily Rose, je dois l'emmener à l'hôpital. Il se rend pas compte de ce qu'il a. Ça se voit que c'est une fracture. Mais non, mais la dernière fois que je suis restée toute seule, il y avait des ombres, des bruits, tous des trucs comme ça, des chaises qui bougeaient. Je sais que notre maison est hantée, mais il va rien se passer. On est en plein jour. Il est quelle heure? Il est 17h. Vous voulez pas que je vienne avec vous? Non. T'es sûr? On va attendre pendant très longtemps à l'hôpital. J'ai pas envie de t'avoir dans les pattes pendant encore je sais pas combien de temps. Donc, t'es sérieux? On va jouer à un truc, d'accord? Tu restes dans ta chambre, tu bouges pas et tout va très très bien se passer. Ne t'inquiète pas. Oh, mais la dernière fois, c'est dans ma chambre qu'il s'est passé le plus de choses. Oui, t'inquiète pas. J'ai parlé aux fantômes cette nuit. Ils m'ont dit qu'ils allaient pas papser aujourd'hui. Ouais. Et de toute façon, s'il se passe la moindre chose, tu me téléphones, ok? Pas de problème. Allez, la bise. Ouais, c'est ça, la bise. Allez, c'est parti. Je vais lire un petit peu en espérant qu'il va rien se passer parce que moi j'ai un petit peu peur, hein, mais bon, j'espère qu'ils vont vite revenir. Hein. J'espère que c'est pas hyper grave parce que sinon ça va mettre beaucoup de temps. Je les connais en plus, ils sont lents. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée, le skate. Mais regarde, je dois te pousser comme ça. Vas-y. Ah, mais ça marche pas bien. Je peux pas conduire, Esteban. Non, mais c'est mieux le fauteuil roulant pour aller jusqu'à l'hôpital. Non, ça va plus vite avec le skate, gars. Mais non, regarde, je suis obligé de te pousser. Non, mais t'es sérieux. Ça va pas vite du tout, en plus tu t'as mal. Regarde ta tête là. Ça fait pitié. Allez, suis-moi. Franchement les amis, j'espère que ça va bien du côté de Lily Rose parce que cette nuit j'ai justement encore entendu des bruits. Ça faisait comme des bruits de lapins et j'ai cru voir une ombre de lapin géant avec une blouse et un masque. Trop bizarre. Y'a quelqu'un? Eh oh, y'a quelqu'un ici? Mais pourquoi la porte s'est ouverte toute seule? Elle était bloquée. Pourtant j'étais sûre de bien l'avoir coincée pour qu'il se passe rien. Oh non, ça commence. Comment je vais faire? Ils viennent de partir à l'instant. Ouais, ça doit être le vent. Enfin, j'espère. Bon, allez. Non mais là c'est sûr, j'ai vraiment entendu quelque chose. Oh là! Eh, si c'est un prank là, vous pouvez arrêter tout de suite parce que c'est pas drôle du tout. Là, je suis toute seule, j'ai pas envie de rire. Après, si vous voulez, mais pas maintenant.
Bon, t'avances pas, je te l'avais dit, t'avances pas. Qu'est-ce que tu racontes, là, une histoire de lapin là. Oh non, non, t'inquiète pas, allez, avance. On a encore 20 minutes à ce rythme-là, on va pas prendre 20 minutes, on va prendre 20 heures. M'aider. Allez, dépêche-toi. Mais je peux pas t'aider, on aurait dû prendre le fauteuil roulant, allez. Peppa Pink, la catastrophe. Ah non. Allez, avance. On va montrer aux abonnés que t'as eu tort et que s'ils se font mal, ils peuvent prendre des piques. En plus, il y a une voiture. Non, mais catastrophique. Catastrophique, Peppa Pink. Bon, c'est compris. Là, je suis en colère, hein. Mais c'était quoi, ça? Là, je suis sûre d'avoir vu quelqu'un. J'ai pas rêvé. C'est pas possible. Bon, Lily Rose, raisonne-toi. Tu vas rester dans cette chambre et ça va très bien se passer. Il va plus rien se passer du tout. Allez, calme, zen. Ils veulent encore m'embêter, c'est ça? Bon, allez, ils vont bien voir. Alors, ça, devant, la chaise, pareil. Allez, essayez de rentrer maintenant! Si je m'endors là, aucune chance qu'ils rentrent. J'espère qu'elle est encore là. C'est quoi ça? Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? C'est moi! C'est nous plutôt! Peppa Pink, il est resté en bas, avec son fauteuil roulant. Oh ok! Vous m'avez fait peur! Bon allez, rentrez maintenant! Ah bah t'as mis du temps à nous ouvrir! Bah en fait, c'est parce que quand vous êtes partis, je sais pas si c'était un rêve ou pas, mais j'ai vu un lapin avec une blouse, un masque violet, des grandes oreilles comme ça là. Il faisait au moins 1m70 et ça m'a fait trop peur, mais je sais pas si j'allais halluciner. N'importe quoi, encore une licorne à trois ailes qui mange du kebab? Ouais, bien sûr, moi à l'hôpital, j'ai vu un lutin unijambiste qui mangeait des faritas aussi. Bon allez les amis, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et cliquez sur une vidéo qui apparaît. Bye bye. Non.